and kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want Hello! Oui, on pourrait croire que ce matin, vu que je suis dans ma cuisine, j'ai faim. Mais j'ai pas tant faim que ça en fait. Donc voilà, comme quoi, ce n'était pas grave que je mange juste deux pains au chocolat hier. Ça m'a largement suffi. Là, je suis en train de me prendre un petit jus de pomme avant d'aller travailler. Je pensais que je commençais à 8h30, mais en fait, je commence à 9h, ce qui fait que j'ai une petite demi-heure devant moi. Je vais commencer à monter le vlog d'hier. Du coup, comme ça, ce sera fait, ça fera ça de moi ce soir. Et je pourrai plus regarder des vidéos ce soir, sachant que j'ai pas mal de retard. Je crois que je suis à 60 vidéos de retard, mais 60 vidéos à commenter, parce que toutes les autres, je les ai plus ou moins toutes regardées. Donc, autant vous dire que voilà, j'ai pas mal de retard. Oh, ça fait du bien. J'ai regardé des vidéos jusqu'à 11h30, je crois. Je dois avoir la moustache de jus de pomme. Toujours mon petit bouton de fièvre qui fait une petite croûte. Hein. C'est pas forcément beau. C'est peut-être moins beau qu'au cas de départ. Mais j'ai pas franchement le choix. Pourquoi mon rideau est ouvert là? Je comprends pas. Ah oui, je sais. C'est Nolan qui a joué avec hier. Bref. Donc voilà, j'ai. Bon, maintenant j'ai plus une demi-heure. Je dois avoir un petit quart d'heure, mais c'est toujours ça de prix. Donc je vais faire un petit peu de montage, je vais essayer de mettre à la limite tous mes fichiers sur le PC, ce sera déjà ça de fait. Comme ça à midi je pourrais commencer si je m'ennuie. Et quoique je suis pas sûre de faire ça cet après-midi parce que ce midi je pense que je vais regarder la télé. J'aurai la flemme de me mettre devant l'ordi pour travailler. Ouh, ça y est, vous voyez la fatigue m'envahit. Ça c'est aussi peut-être le fait de ne pas avoir mangé assez hier, mais bon, ça me fait pas de mal. Pour mon petit cucu, ça me fait pas de mal. Ce chat est un pot de colle. Même ici, il faut qu'il soit à côté de moi. Et s'il vous plaît, sur un siège de prince, hein, hein. On aurait dû t'appeler prince. Chouchou, ce serait manqué de toi encore plus, mais... Qu'est-ce que t'as fait, là? T'as un bobo? Mais oui, t'as mal. T'as mal ou pas? Non, t'as pas mal. Non, t'as pas mal. T'as pas mal. Il a pas mal du tout, vous inquiétez pas. Oui, rourou, t'es content? T'es content? Petit prince. Petit pacha. Bon bref, moi je vais pas tarder à aller au... J'allais dire au lit, pas du tout. Oh, j'aimerais tellement aller au lit. Mais non, je vais au boulot et du coup je vous reprends tout à l'heure. Je finis à 12h30 je crois. J'ai une grosse journée aujourd'hui. Enfin c'est le jeudi comme d'habitude de toute façon. Et comme de toute façon je vlog sur deux jours. Je vais pas vous... Enfin je vais pas vlogger... Je vais pas trop vlogger je pense entre midi et deux parce que j'aurai pas grand chose à vous dire à part que je suis arrivée et puis je repars. Donc voilà, je vous reprends plus tard mais je ne sais pas quand. Bon, je viens de rentrer à la maison, première chose que j'ai faite, mettre pause. je suis rentrée et avant de prendre la route, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu que j'avais plein de commentaires sur YouTube, notamment sur la vidéo que j'ai mis avec Emily, donc le challenge, je sais même plus comment ça s'appelle, oui, le pile ou face challenge qui vous a apparemment bien fait marrer parce que j'ai pas mal de commentaires. J'ai pas eu le temps de les voir mais j'ai hâte d'aller du coup voir ce que vous avez noté. Et là j'ai faim, aujourd'hui ce midi j'ai très faim par contre, je sais pas ce que je vais manger mais... Je vais dévaliser le frigo, je crois. Et en même temps, il faut que je mange des restes. Et bien, il y a une petite salade de taboulé juste là. Je pense que je vais me faire du taboulé, du pâté. Et ça ira très bien. Je vais me prendre un petit verre. Je vais mettre de l'eau à bouillir aussi, parce que j'ai envie de me prendre un thé avant de partir me bosser. Hop, ma petite tasse capricorne. Parce que l'autre est à laver. Enfin, je l'ai lavée, mais elle est encore égouttée. Oui, je sais, je suis une catastrophe. Ma vaisselle est toujours égouttée là. Mais j'ai la flemme. J'aurais pu prendre celle-ci, remarque. Mais voilà, j'avais la flemme. Donc voilà, flemme, c'est la flemme, c'est tout. Je vais reprendre un thé vert à la menthe. J'accroche un peu moins avec le. Vous savez, le. Infusion, je sais plus ce que c'était comme infusion. Mais bref, j'accroche beaucoup moins. J'en prends de temps en temps, mais c'est vraiment très très rare. J'accroche vraiment plus avec celui-ci. Et il va falloir d'ailleurs que j'en rachète parce que je n'en ai plus beaucoup. Je compte même en prendre un, je pense, au boulot dans un truc isotherme. Si je retrouve ma bouteille, j'en avais une, il me semble. Ah là, voilà, j'ai une petite bouteille isotherme dans laquelle je peux y mettre mon thé parce que j'ai la bouche très très sèche et je pense que. Et ma peau aussi, hein. Et je pense que boire un peu plus, ça ne me ferait pas de mal. Donc voilà, hop, hop. Comme ça, si j'arrive pas à le boire, au pire, je le mettrai directement dedans. Voilà, j'ai oublié mon plateau, forcément. Hop. J'ai pas eu de nouvelles de Nolan, donc je pense que ça va bien. Sinon, il m'aurait appelé. Mais de toute façon, Nolan, c'est pas du genre à vouloir téléphoner. Que ce soit son père, moi, ou peu importe qui d'autre. C'est jamais...
C'est jamais lui qui appelle, c'est toujours nous qui appelons. Je suis désolée pour le bruit, c'est la bouilloire qui fait un peu du bruit, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bah finalement le vlog de hier est quasiment fini, j'aurais plus qu'à faire la clôture je crois ce soir. Enfin voilà, j'aurais plus qu'à faire ça. Donc je pourrais peut-être vous le mettre demain. Bon, vous l'aurez déjà vu de toute façon, je sais pas pourquoi à chaque fois que je vous en parle, puisque à chaque fois vous l'aurez déjà vu quand j'en parle. Donc voilà, je m'apprête à partir au boulot. Je suis pas très très à l'heure mais j'ai un peu d'avance quand même, je suis pas non plus en retard. Disons que je vais arriver tout pile quoi. J'ai mis mon petit thé, j'avais ma petite tasse à laver. Et ouais, et j'ai monté plus ou moins une bonne grosse partie du vlog en plus de ce matin. J'ai continué un peu cet après-midi, j'ai regardé le cœur brisé, puis au bout d'un moment j'en ai marre, je me suis mise à l'ordi. Donc voilà, j'espère que la journée va passer vite parce que j'ai l'impression que c'est un peu mou, il n'y a personne. Il fait beau aussi, donc je pense que les gens ont autre chose à faire que d'aller dans les magasins. J'ai une tête de folie comme ça. Et ouais, je pense que les gens profitent du soleil. En plus de ça, aujourd'hui, il y avait le départ du 4L Trophy que je rate jamais. Enfin, chaque année, je regarde. Et là, j'ai pas pu y aller. Et en plus de ça, j'avais la fille d'une amie maman qui y allait, enfin, qui faisait partie du 4L Trophy. Donc, je suis dégoûtée. Je lui ai envoyé un message ce matin pour lui dire que bah, je pensais à eux et qu'il fallait qu'elle klaxonne quand elle passait devant le magasin. Mais voilà, j'ai eu des appels, j'ai eu des photos et tout. Mais, enfin, des appels, des messages et des photos. Mais j'aurais bien aimé participer à ça. Et c'est vrai que d'habitude, en général, j'y vais aussi avec Nolan. Donc, c'est plutôt cool. Mais là, voilà, cette fois-ci, cette année, c'est mort. Bon bref, allez, sur ce, je vais bosser. Et après, bah voilà, je vais bosser, je vous reprends tout à l'heure, ce soir, je pense. Hop là, ce matin, petit déjeuner. Ça va être un jus de fruits. Hop. Ouais, parce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Chocolatine. Hop. C'est mon dernier jour de boulot aujourd'hui. Donc autant vous dire que j'ai besoin de force et que j'ai besoin de vitamines. C'est mon dernier jour, je suis contente parce que ça commence à être fatigant. J'ai mis le même pull qu'hier, hein, vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'hier j'étais en t-shirt. Enfin, j'ai passé ma journée en t-shirt, même ma matinée, je l'avais pas mon pull. J'ai juste mis mon pull en fait pour le trajet. Bref, je vois pas pourquoi je me justifie, juste histoire de dire, de faire taire les mauvaises langues si toutefois il y en a. Mais il n'y en a jamais pour l'instant, donc ça va. Voilà, donc il est 8h. Je commence dans une demi-heure, donc j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner. Je prends toujours mon petit déjeuner une fois que j'ai brossé mes dents. Vous m'expliquez pourquoi? Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est un réflexe que j'ai, une habitude que j'ai. Bon, après, je prends toujours un mini truc, mais voilà, c'est genre un grignotage qui finalement aurait dû se faire avant de se brosser les dents, mais bon. Je sais pas. Parce qu'en fait, d'habitude, c'est surtout ça. D'habitude, je déjeune pas. Et quand je me prends des trucs comme ça, bah, forcément c'est pas dans ma routine, donc je fais ça après mes dents. Bref, je vais me poser. Hop, j'ai mon écran de fin à mettre sur ma dernière vidéo qui est sortie du coup ce matin à 7h. J'avais la flemme d'attendre que ce soit chargé hier soir et du coup, même il restait quoi, 5 minutes. Enfin, en même temps j'ai la fibre, donc mes vidéos mettent 2 minutes à charger. Mais là j'avais tellement la flemme d'attendre que voilà, je suis pas bataillée, je suis partie me coucher. Et du coup, il me manquait juste l'écran de fin à mettre, donc c'est ce que je vais faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Je serai tranquille et je serai à jour surtout. Je vais regarder aussi mes commentaires, parce que du coup, hier, je vous ai dit que j'allais regarder, mais j'ai pas regardé. Et j'ai vu sur mon... Vous savez, sur l'application Creator Studio ou Studio Creator, je sais plus dans quel sens c'est, que j'avais 18 commentaires en attente. Je crois que j'ai jamais dépassé les 11 ou 12, mais là, 18. Je suis choquée. Donc voilà, faut que je répare ça quoi. Vous entendez ce bruit? Vous avez entendu? C'est le bruit des vacances. Ça veut dire que je suis en vacances. Bon, je suis sur le trajet de ma voiture. J'essaie de couvrir pour pas que vous ayez trop de vent, parce qu'il y a trop de vent là, d'un coup. Oh, il y a des voitures. Vite, faut que je me cache. Donc j'ai ma semaine de vacances. Je reprends
lundi début mars quoi. Donc j'ai toute la semaine, j'ai le week-end plus toute la semaine. C'est plutôt cool. Mon programme par contre ce week-end va être un peu moins cool. Enfin samedi ça va aller. Oh, ce gros plan que je vous ai fait là, j'ai vu un de deux. Donc samedi c'est journée apparemment match. Puisque il y a des matchs toute la journée. Donc si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas beaucoup vloguer. En tout cas je vais avoir du mal à vloguer. Et vendredi et dimanche, je suis de déménagement. Donc autant vous dire, ça va être vraiment pour le coup une vraie journée où je pourrais pas du tout vloguer. Tout simplement parce que, attention à la musique. Tout simplement parce que on a qu'une journée pour tout déménager. Et ça risque d'être très sport, il y aura du ménage à faire et tout. Donc mais là pour le coup je pourrais pas faire grand chose. Donc voilou. Ça va être très sport d'ailleurs dimanche. J'espère que je pourrai faire garder Nolan parce que ça va être compliqué sinon d'avoir Nolan dans les pattes. Ça sert. Enfin le but c'est quand même que j'aille aider un maximum et pas que je sois un boulet qui doit garder Nolan à côté. Alors, non pas que Nolan va me déranger, mais ça va être une tâche en plus. C'est quand même. Enfin je vais dire un bébé, non, pas un bébé, mais faut quand même avoir l'œil dessus et. Voilà, je vais pas pouvoir le mettre devant la télé puisque c'est un déménagement. Donc autrement vous dire qu'il y aura pas de musique, il y aura pas de télé, enfin bref, il y aura rien pour les distraire à part le téléphone. J'ai pas envie non plus qu'il reste toute la journée sur le téléphone, donc voilà. Allez, adieu le boulot, je pars en vacances. Si vous avez besoin de moi, ne m'appelez pas, je ne répondrai pas. Non, c'est pas exactement ce que je leur ai dit. Parce que évidemment, comme je suis responsable des caisses, j'ai plutôt intérêt que ça fonctionne. Ce qui fait que je leur ai dit que j'étais joignable par téléphone si besoin et que ben, voilà, s'il y avait besoin, j'ouvrirais ma boîte mail du boulot et je leur montrerais comment faire un truc ou un autre truc. J'aimerais bien qu'ils n'aient pas besoin de moi. Bref, vous ne voyez plus, de toute façon je suis sur la route. Donc je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure. Je ferai la clôture quand je serai à l'arrêt. Tu veux que je te dise 14 100 106. Bon, je vous reprends pendant que c'est la pub. On est en train de regarder une super nanny avec Nolan. Nolan il aime pas trop, mais bon, il n'y a rien à la télé ce soir, donc on fait avec ce qu'on a. Je lui ai offert une calculette à mon fils parce que mon fils adore les calculs, les chiffres et tout ça. En ce moment, il apprend à compter de 2 en 2, de 10 en 10, les dizaines, les unités, les centaines. Enfin, bref, il commence vraiment à s'y intéresser beaucoup. Je sais compter de 10 en 10 par contre. C'est bien géré. Et du coup, voilà, monsieur me piquait ma calculette. Du coup, je lui ai offert une petite calculette et il est trop content. Il préfère ça à jouer. C'est quand même fou. Bref, du coup, je suis devant la télé. Avec Nolan, on regarde Super Nanny. On va rien faire d'extraordinaire ce soir de plus. Donc, je pense que ce vlog est assez long. Sachant que j'ai beaucoup parlé hier. 25 466 748. Voilà. Nolan est content. C'est riche, riche, riche. Offrez-lui une calculette et il est super content. Alors qu'on lui a offert plein d'autres jouets. Il n'y a que ça qui l'intéresse en ce moment. Que tu me dis ces choses-là, ça me fait rire. Sur ce, les copines, on vous fait de très gros bisous. On n'oublie pas de faire quoi, Nono? Ouais, mais ils ont pas entendu, chérie. Pouce bleu et s'abonner. Et on met des petits commentaires aussi pour que maman puisse répondre. Eh oui, ça c'est important. Pour ma mère, parce que elle a jamais commenté. C'est pas vrai, si maman elle a plein de commentaires. Ils sont gentils, mes copines. Ouais. Ah ouais, ils sont trop gentils. Des fois elles te font des bisous, elles te disent oh Nolan il est mignon, Nolan il est gentil. Personne ne dit ça à moi. Mais oui, mais moi je le lis, moi. Je le lis qu'elles me l'écrivent. Moi je te le dis, d'un côté mignon. Bon allez, bref, sur ce les copines, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je pense pas beaucoup filmer demain, je ne pense pas, c'est sûr, je ne filmerai pas dimanche.
Donc j'espère que je vous reverrai assez vite. Au pire, j'essaierai de cumuler 2 jours. Pareil, exceptionnellement. Et je vous retrouve du coup lundi pour moi et pour sûr mardi pour vous. Voilà, gros bisous les copines. Ciao!